Ah, Seigneur, ce matin, je me réveille. J'ouvre Facebook, je vois Facebook est inondé avec le nom de Junior Gombin. Junior Gombin a encore fait quoi? J'ouvre l'image. Je vois que Junior Gombin a réussi le concours de la police camerounaise. Donc Junior Gombin est désormais inspecteur de police. Jeunesse debout pour le changement. GDC. C'est-à-dire que de qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh! Quand je pense comment on nous a tout dit tout récemment, que oh, vous ne vous levez pas pour ceci, oh, vous ne vous levez pas pour cela, on a arrêté votre frère, personne ne parle. On a parlé. Est-ce que maintenant vous pouvez donner raison à Aïcha qui a fait une sortie pour vous expliquer que on va se lever pour qui? Pour les mêmes gens qui disent tous les jours que le gouvernement actuel n'a plus rien à leur proposer et entre-temps par derrière, ils cherchent à entrer dans le même gouvernement. Le petit a fait une vidéo dans laquelle il dit qu'au Cameroun, on ne peut plus réussir un concours. Nous tous, nous l'avons suivi. Si on n'a pas des relations, si on n'a pas tel. Est-ce que toi, comme tu as réussi à ce concours, tu peux nous dire où tu as négocié, donc comme tu disais, pour réussir à ce concours? Ça dit, quand je vois ça, ça me rappelle quand on était au village. Il y avait un adage là, il y avait un adage qui disait, en autre langue, on disait, Kanyopo Dinko. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend ma langue, si je vais traduire mot à mot en français, ça veut dire quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le tarot. Mais chaque fois qu'on prépare le tarot, lui lèche le moitié. Il n'aime pas manger le tarot, mais il aime lécher le moitié. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ah! Ah! Changement. Quand je pense que j'ai fait une vidéo il y a de cela, quoi, deux jours, c'était avant-hier, c'était hier. J'ai mis en ligne où je montrais où j'étais en train de m'inscrire sur la liste électorale. J'ai mis ça sur ma page. Personne n'a partagé. Ça a à peine 1500, ça atteint 1000 vues même aujourd'hui. Mais avant-hier, j'ai posté une vidéo où une femme qui racontait comment elle l'aide, tout le monde la déteste. C'est presque 200 000 vues déjà. Plus de 400 partages. Plus de 700 commentaires. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Mais voilà un jeune qui se lève. Nous tous, on a applaudi. Même si on n'est pas venu devant la caméra parler. Nous, on a applaudi dans l'ombre. Nous sommes des peureux comme j'étais la nuit. On a peur. On veut voir nos enfants grandir. Voilà les petits qui ne veulent pas voir leurs enfants grandir. Les voilà. Vous avez applaudi. Partout. Oui, voilà les petits qu'on veut au pays. Voilà les petits courageux. La question que je voulais poser, c'est que inspecteur de police, est-ce qu'il est au-dessus d'un officier de police? Est-ce qu'il est au-dessus d'un commissaire? Qui est le chef de la police? On chante tout le monde. Le chef de la police. Aïe, aïe. Donc quand le père de la police, le père Martin Bangangele, va donner les instructions à Ngombe. Ngombe, j'ai appris qu'il y a un groupe de délinquants quelque part à Mangué là-bas qui veulent le désordre. Allez les prendre, vous les amenez. Ngombe, toi tu vas dire que tu ne pars pas. Tu vas dire que tu ne pars pas. Je te rappelle que la police est un corps comme la gendarmerie, comme l'armée, l'armée de terre, l'armée marine, l'armée de l'air. C'est-à-dire que c'est honneur et fidélité. N'est-ce pas? Et tu représentes désormais l'État. L'État que tu critiques. Donc tu représentes le vert rouge jaune.
Ça veut dire quand on dit honneur et fidélité, c'est-à-dire que quand ton chef hiérarchique, ton supérieur te dit, petit, va faire ceci. Tu exécutes, tu n'as pas le droit de lui demander que pourquoi tu me demandes de faire ça. Tu pars seulement. Donc désormais, comme j'ai vu une vidéo, tu as dit qu'après, quand tu es sorti, quand tu as laissé, tu as dit que voilà, on est venu te prendre seulement comme ça, sans rien te dire, sans machin. La vidéo a fait le tour, non? On a vu, non? Donc c'est que désormais, c'est toi qui iras donc maintenant prendre tes propres frères sans leur présenter le document qu'on est venu te présenter, non? Sauf si c'est moi qui ne comprends pas. Ah, bof, le pays, c'est la guerre. Les gars se lèvent, ils veulent le changement. Mais ça, c'est la vie, c'est le chemin. Oui! Si vous n'avez pas encore compris que la vie, c'est le chemin. Fais ton chemin, mon frère. Dès que tu as ta papa pour chop, je vais encore entendre la voix là. Donc, que Gombe ouvre encore sa bouche. Il est désormais dans la bourgeoisie, ben, ça dit que les gars, vous êtes forts. Levez-vous! On a vu les politiciens comme ça, c'est le seul. On a vu les gars se lever que non, il faut qu'on change les choses. Il faut vraiment que des choses qui ne marchent pas, on va changer. Les gens les ont suivis, on s'en pâme. Arrivé au carrefour, le gars a disparu. Les jeunes sont restés au carrefour comme ça. Tchac, le gars mange seul maintenant. Il a les joues. Il se moque de vous. La politique, quand vous dites que nous, on reste derrière, nous, on regarde les politiciens. On les regarde faire leur truc. Chacun bagarre pour ses intérêts. Tout ce que vous voulez, vous voyez les gars, tous les jours sur Facebook. Chacun bagarre pour ses intérêts personnels. Vous avez compris avec quoi? En tout cas, je te souhaite bon vent, Junior Gombert. Que Dieu te protège pendant ta formation. Mais ce que nous souhaitons, c'est que quand tu reviens dans la police, tu nous montres l'exemple de la police que nous, on veut voir au pays. Il y a des exemples qu'on voit là. Hein? Comme il y a un grand frère ici, là. On appelle, comment on l'appelle encore là? Il grimpe parfois sur les taxis. Djabo. Il nous montre vraiment l'image de la police. Le gars travaille vraiment comme on veut. Il ne prend jamais les 5-500. Au taximan, machin, tu l'énerves, il prend même ton permis, comme s'il jette dans le bar d'Isaac, comme c'est toi qui sors, tu cours pour aller récupérer. Il n'est plus avec toi. Il ne prend jamais tes 5 francs. Oui, quand il y a embouteillage comme ça, là, si tu ne respectes pas les rangs, tu coupes à côté, comme on voit souvent les gars faufiler, dès qu'il te prend en haut, là, il te refait descendre. Tu prends l'autre ligne pour redescendre, reprendre à zéro là-bas en bas. Il ne prend jamais tes 10 francs. C'est le genre de policier là qu'on veut au pays. Gombe, j'espère que tu seras comme ça. Junior, que Dieu te protège. Bon vent, mon frère. Voilà, chers parents, faites comme Franco. Je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les anapes, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.